Alors ce soir, il s'est passé quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire que j'ai perdu le fil de la temporalité. Je ne sais plus quel jour on est, quelle heure est-il. Si nous sommes dans une réalité, si nous sommes dans la matrice. Le prochain personnage de James Bond, enfin agent 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme là? My name is Bond. Fatoumata Bond. Non, ça va pas du tout. Je suis pas d'accord, ok? Donc Norman, déjà tu as eu beaucoup de problèmes avec, avec des mineurs, des enfants, des filles, tellement que tu es incapable de serrer une fille de plus de 20 ans, tu vois, tu n'arrives pas parce que c'est, ils ont un cerveau, ils ont un QI, et toi tu vas attraper les enfants presque aux couches. Je n'ai jamais voulu me moquer du prénom Fatoumata. Je voulais parler des studios de cinéma américains qui, parfois, pour se donner bonne conscience, se la jouent anti-racisme de façade. Voilà. Mais c'était mal amené, c'était maladroit. Bref, c'était pas une bonne idée. J'aurais pas dû la faire. Vraiment, je regrette. Voilà. Allez, salut les PD. Oh, pardon, je m'excuse auprès de la communauté homosexuelle. J'ai vraiment senti un peu la patte de Kader Aoun, j'ai l'impression, derrière ces textes, et aussi de Mathieu Madénian qui apparemment a aidé à l'écriture aussi. Ceci étant dit, on ne peut pas résumer un spectacle à une blague. Et quand je lis dans les commentaires, ton spectacle est un spectacle raciste, comment vous dire? Les gens qui disent ça n'ont tout simplement pas regardé mon spectacle et ne le feront pas parce qu'ils s'en foutent totalement. Mais c'est de la pure malhonnêteté intellectuelle. Moi, je suis aussi hyper client de Uber. Hein, j'adore ce moyen de locomotion maghrébin. Lui-même, à un moment, ironise, il dit oui, j'ai posté un carré noir au moment où il y a eu le mouvement Black Lives Matter. J'ai posté un carré noir sur Instagram. Il dit ouais, je suis courageux en gros. Si on n'a pas un coup de gueule ou si on n'a pas quelque chose dont on veut se délivrer, on n'écrit pas, quoi. On est tranquille, on joue au boule. À chaque personne qui veut parier avec moi, je lui donne un joint, je lui offre un joint. Thaïlandais pur, pas de la pure beuh, à pas mélanger. Je lui vous offre un joint si Trump reste au pouvoir là. Et sinon, c'est vous qui devez me donner un spliff. Si vous pariez que c'est Trump qui reste au pouvoir là, que c'est Trump qui va rester, vous me devez un spliff. Ceci n'est pas un coup d'État. Non, sans déconner, ça c'est trois clampins déguisés en sorciers comanches qui font des selfies dans le Congrès américain. Son accoutrement de viking a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Mais il n'a pas été choisi au hasard. Ses cornes rappellent celles du dieu de la mythologie nordique Wotan, duquel dérive le wotanisme, une mouvance raciste, néo-nazie et antisémite. On en a vu certains également qui portaient des gilets pare-balles et qui visiblement étaient prêts à en découdre, en tout cas. Get down under your chairs if necessary, so we have folks entering the rotunda and coming down this way. So we'll update you as soon as we can, but just be prepared. Stay calm. J'ai toujours aimé la police, j'aimerais toujours la police, et j'aiderai toujours, toujours, toujours la police, parce que c'est normal. Рада, что такое большое количество людей выходит по всей нашей стране в разных уголках нашей Родины. Фашисты! Un officier de police a posé le temps d'un selfie avec un manifestant. Et selon cette vidéo filmée avec un téléphone, des agents à l'extérieur ont ouvert les portes et facilité l'entrée des émeutiers. Malgré ce qu'ont pu en dire certains, Trump n'a pas appelé à prendre d'assaut le Capitole. We will never give up, we will never concede. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Si vous voulez parler d'un truc, au moins assurez-vous que vous savez de quoi vous parlez et que vous connaissez la définition des mots que vous employez. Soyez précis, toujours, ça évite, un, de passer pour un guignol.
Tu préféreras alors qu'on parle d'autoritarisme ? Autoritarisme ? Je vois pas le rapport. Et en plus, c'est encore un mot en isme. Je me méfie toujours des mots en isme. Tu sais, ça fait étiquette qu'on se contente de coller avant de passer à autre chose. L'opposant accuse les forces spéciales russes de l'avoir empoisonné. Des accusations balayées par Vladimir Poutine. Si on avait vraiment voulu l'empoisonner, il serait mort aujourd'hui. Vous voyez bien que j'ai de la peine. Vous voyez bien que je suis en difficulté, mais parce que là, c'est au-dessus de mes forces. J'ai zéro motivation. C'est un truc de fou. Les étudiants, je sais pas comment vous faites. C'est un truc de fou. Hier soir, j'écoutais Night Call, là, des trucs de dépressif. Là. C'est un truc de fou, je deviens dépressif. Cité par le Huffington Post, la présidente de l'Association des professionnels des bureaux d'aide psychologique universitaire constate une hausse du nombre d'étudiants en demande d'aide psychologique. Les étudiants se sentent livrés à eux-mêmes, seuls, dans leur petit logement, parfois en précarité financière, face à leur ordinateur toute la journée. C'est comme si c'était une parenthèse qui était ouverte et qui ne se ferme jamais et qui ne mène à rien. Et c'est horrible. Et ce qui fait que, imagine que déjà, tu vis seul, donc en tant qu'étudiant, très souvent tu vis un certain isolement. En plus de ça, tu dois subvenir à tes propres besoins, mais le problème, c'est que la chose qui survenait à tes besoins, donc ton taf, tu ne l'as plus. Mais tu es encore isolé, et tu ne vois pas le bout du truc, et ta situation scolaire empire. Quand vous allez au Resto du Cœur tous les mardis parce que c'est votre seule sortie de la semaine et que vous voyez la fille s'allonger, ça vous fait quelque chose, ça vous brise, ça vous fait mal parce que vous savez que votre propre camarade, votre voisin ou quelque chose comme ça peut être aussi sujet à ces difficultés et qu'on est tous dans le même sac et que pour le coup c'est une bonne mesure d'égalité parce qu'on est tous dans la merde. Le premier point sur lequel j'aurais envie qu'on avance et qu'on va mettre en place pour le deuxième semestre, il est sur les repas. C'est de permettre à tous les étudiants qui le demandent d'avoir accès aux 2 repas par jour par les Restos U à 1 euro. Il suffit de voir son visage et ses cernes pour comprendre clairement que la situation est tendue. Il y a une pression énorme sur ses épaules, sur les épaules du studio au global, pour rétablir les situations et redorer le blason de CD Projekt. Les mutants et les variants anglais, sud-africains, brésiliens et maintenant californiens changent complètement la donne. Il faudra probablement aller vers un confinement. Vous savez, Emmanuel Macron décide seul, oui, et il n'aime pas les contraintes, écoute sans doute les médecins, mais déteste les injonctions. Et le président du Conseil scientifique aurait peut-être dû se taire hier en demandant expressément au gouvernement d'agir et vite, car le pouvoir appartient bien aux politiques et il n'est pas médical. Démissionne pour faute grave. Oula, t'es un carton jaune. J'en peux plus de toi, Germain, j'en peux plus, t'y es nul. On ne sait pas ce qu'on a vu et c'est pourtant on sait bien que ça va en tout cas rester dans un fond de notre mémoire et ça va ressurgir durant une nuit et on va crier comme ça, on va se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire.